Et donc les vraies mathématiques sont nées à ce moment-là. Il y a un profond entre les nombres et l'univers, et la structure de l'univers, et par exemple l'avancement des planètes. Alors je passe sur les détails. Les Grecs avaient compris finalement comment fonctionnait, que la Terre était ronde, par exemple. Ils avaient une vision plus ou moins exacte du système héliocentrique. Par exemple, chez Ptolémée, il y a une description de ce système-là. En regardant sur la plage ici, on est bien servi. Regardez à mes pieds, on trouve une multitude de nœuds, des nœuds qui m'ont permis aussi de fixer ce polyèdre. De ce polyèdre, finalement, on la retrouve aussi quelque part, un peu plus compliqué même, dans les ruches. Voilà. Et donc habituellement, quand on vous représente l'espace-temps, on dessine, par exemple lorsqu'on veut dessiner des trous noirs, on dessine des choses comme cela, des sortes d'entonnoirs, d'accord? Alors, il se trouve que des entonnoirs... Aux travaux des Halles, un peu trop minimaliste. La colère s'incline en finale de force. C'est pour qui, celui-là ? Combattu. Toujours au municipal, le front anti-Brassens prend les rênes de leur grève. Ah bah ouais, il est fou, hein. Je me décale, événement à final, hein. Est menacé. Je vais avec le club. 7 demain, hier, c'est lundi. Bon. Tout ça pour vous dire que c'est un calmar, tout ça. C'est un calmar géant. Ça veut dire que ça a été fait par des calmars venus de Brooklyn. D'ailleurs, nous avons deux calmars de Brooklyn. Nous avons 4 tiers de 7. Et Cher, qui a du mal. Manu, digère la tête de Dieu. C'est une exposition interactive. Nous, parce qu'il faut les mettre dans les camions. Bon, je pense que j'ai fait une brigade après. Oui. C'est vraiment taré. Non, mais attends, je suis en train de... Voilà, j'ai le fait. Allô. À Didier, calma. 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 Et ça continue, hein. Thank you.
Thank you.
Make it before.